hâte de vous remercier de nous recevoir aujourd'hui chez vous, parce que ce sont des jeunes Ivoiriens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ont eu le temps de vous connaître à distance. Aujourd'hui, ils ont voulu venir vers vous parce qu'ils partagent vos valeurs de travail, de succès, et venir apprendre à vos côtés. Donc, nous vous remercions aujourd'hui pour l'occasion que vous nous offrez de venir échanger avec vous. Le coup de fleuve pour madame. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre Jean-Luc Billon et ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie, patron du groupe SIFCA. C'est un honneur pour nous, en tant que jeunes de Côte d'Ivoire et jeunes entrepreneurs, d'être reçus par une telle personnalité. Les échanges se sont déroulés de façon cordiale. Il nous a donné beaucoup de conseils, à la fois dans notre vie personnelle et dans nos entreprises. Ce sont des initiatives qu'il faut renouveler pour apprendre à leur côté et partager les mêmes valeurs pour la Côte d'Ivoire. Avant de venir, nous avons d'abord quelques doutes sur comment est-ce que l'entrevue allait se dérouler. Est-ce qu'il n'allait pas être une personnalité comme de fermée? Mais le ministre a été très ouvert avec nous, nous a reçus de façon conviviale, de façon cordiale, et c'était vraiment, vraiment intéressant et au-delà de nos espérances. Cette rencontre était très conviviale. La première fois, causer avec quelqu'un de façon décontractée, mais ça m'a permis de voir un homme de conviction, quelqu'un qui est très décontracté, qui vit apparemment avec son temps, des réalités de son temps, qui apporte un autre discours qui est différent de ce qu'on, entendait depuis. Ça se sent qu'il est en phase avec la réalité du moment. On espère qu'il aura, pour 2020, il gardera le cap en tout cas qu'il s'est fixé. Et je ne peux que lui dire merci, parce que ce n'est pas tout le monde, tout homme politique comme ça qui accepte de s'ouvrir, d'être aussi franc avec, un citoyen lambda, quoi. Franchement, il a été quelqu'un de très franc, de très cool, il a dit les choses de la manière dont il pensait. Et bon, ça va rester dans un coin de ma tête, quoi. Je m'appelle Dibi Gladys. Je voulais remercier le ministre Jean-Luc Billon pour nous avoir reçus ici chez lui à la maison. Ça a été vraiment une rencontre très intéressante dans la mesure où il a permis qu'on puisse échanger, partager certaines choses, son expérience de vie qui est assez enrichissante pour nous, la jeunesse ivoirienne. Alors moi, je l'apprécie beaucoup dans la mesure où c'est quelqu'un qui est vraiment très discret, qui travaille assez bien dans l'ombre. Je le remercie pour vraiment sa réactivité en ce qui nous concerne. On espère vraiment de tout cœur avoir assez souvent ce genre de rencontre-là pour pouvoir toujours partager son expérience et pourquoi pas pour les futurs entrepreneurs que nous sommes, évoluer dans le même lieu que lui, mais bon, dans des conditions assez bonnes également. Et de bonne guerre, on lui souhaite bonne chance pour sa carrière future. Peut-être dans la politique, on partage également ses idées, donc on sera là pour le soutenir. En venant ici, nous avions des préoccupations qui ont été vraiment prises en compte par lui. Et en tout cas, je ne repars pas satisfait de cette rencontre. Ça a été vraiment une rencontre assez enrichissante. Je repars de cette rencontre satisfaite avec M. le ministre. Voilà, gentil, vraiment de bonnes conclusions. Voilà, il nous a donné de bons conseils sur l'entrepreneuriat et tout. Et voilà, par rapport à ce qu'il se disait, on a vu que ce n'était pas le cas. C'est un homme bien, bon, voilà, serviable, généreux, à cœur ouvert, quoi. Donc, je suis carrément satisfaite. C'est comme je me dis, s'il doit se présenter, voilà, comme candidat, soit à la présidentielle, au PDCI, il sera mon candidat. Eh bien, c'était très intéressant de pouvoir discuter avec des personnes avec lesquelles nous discutons sur les réseaux sociaux habituellement. Et là, le vécu est différent. La franchise des questions, pouvoir interagir, était quelque chose de très nouveau pour moi par rapport à ce public que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis, la franchise, la spontanéité des personnes avec toutes les préoccupations
qui existent. Et là, on peut toucher du doigt, échanger véritablement avec des personnes qui vous apportent un ressenti et des informations que vous ne trouvez pas toujours par la lecture et tout ça. Bon, la préoccupation première reste l'emploi et le développement de l'entreprise individuelle. Donc, dans les échanges, j'ai pu donner des conseils par rapport à ce qu'il faut pour réussir, entre guillemets, et surtout pour être persévérant au niveau des affaires. Mais en même temps, leur interpellation interpelle beaucoup le monde public par rapport à l'environnement général de l'entreprise. Et là, il y a une réponse que l'État doit pouvoir apporter, et c'est surtout l'homme politique qui doit pouvoir apporter des réponses à cela. Mais il nous aide à pouvoir construire et structurer un programme pour apporter toutes ces réponses-là. Bon, naturellement, les jeunes souhaitent voir quelqu'un de leur génération. Et ce qui est important pour nous, c'est surtout que ce soit notre parti, plus la victoire et le changement pour demain. Donc le plus important, c'est de faire gagner le parti, et le parti, c'est le PDC.